Salut les barbus et bienvenue sur ce nouvel épisode de Barbu Nawak. Un épisode court, puisque de quoi je vais parler? Je vais parler de ma raboteuse électrique. En règle générale, j'ai un principe, si un outil je l'utilise pas dans les 3 à 6 mois, ou que je dois pas le garder pour un projet spécifique, eh ben j'essaye de le trouver une nouvelle maison. Et c'est un peu le principe avec ce rabot électrique. Ce rabot électrique, c'est un rabot électrique Bosch Pro, qui en plus est portable. Alors c'est un outil génial, mais terrifiant en même temps. Et plus que sa puissance, ce qui est super intéressant, c'est son frein. Et donc, pour être clair, cet outil, je l'utilise pas. Et plutôt que le voir dormir ou prendre la poussière dans un coin, je préférerais, comme certains outils que j'ai vendus précédemment, qu'il aille dans une bonne maison. Et ce principe est aussi relativement simple, ça va me permettre de financer d'autres projets, comme par exemple, ça va me permettre de financer le bois pour mon futur lit. Le prix de cet engin gigantesque est complètement génial, et variable. J'ai regardé un peu sur différents sites web à droite à gauche, mais suivant les prix, c'est entre 350 à 450 balles. Moi, mon principe, c'est que je veux qu'il parte dans une bonne maison, je veux qu'il soit utilisé, et je veux que des gens fassent des trucs avec. Donc, je vous le fais à un prix défiant toute concurrence. Allez, 150 balles. 150 balles pour cet outil-là. Et comment est-ce que ça va se décider? Alors, je suis terriblement désolé pour plein de gens qui, je suis sûr, pourront avoir une utilisation géniale de cette raboteuse électrique portative et sur batterie. Mais, pour des questions pratiques, le premier point, c'est que je ne l'envoie pas par la poste. C'est remise en main propre uniquement. Il y aura, bien sûr, la raboteuse. Il y aura une batterie 18 volts 3 ampères. Et il y aura, bien sûr, le chargeur qui, aujourd'hui, est sur mon mur, que je vais dévisser et que je vais vous filer. Donc, premier élément, en main propre. Donc, à venir chercher soit dans ma grotte à Massy, dans l'Essonne, soit on se donne un point de rendez-vous quelque part sur Paris ou à Saint-Ouen, là où je bosse. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est cash, pas de chèque ou de virement ou de truc PayPal, parce que l'endroit où je vais aller acheter mon bois, ils acceptent que du cash. Troisième élément, uniquement par mail. Donc pas, ça sert à rien de laisser des commentaires. Vous connaissez le mail, je vais le remettre ici. lagrottedubarbu@gmail.com, vous mettez comme truc raboteuse. Et le principe, c'est premier arrivé, premier servi. Donc le premier qui m'envoie un petit mail en disant le rabot m'intéresse, si tu veux on se retrouve là, pif paf pouf, c'est lui qui l'aura gagné. J'adorerais avoir plein d'outils comme ça à revendre ou à refiler à des barbus un peu partout en France, mais malheureusement c'est réservé pour ceux qui sont en région parisienne. Donc désolé pour tous les autres, c'est comme ça. Donc si vous êtes intéressé par ce rabot électrique Bosch, qui s'appelle comment? Je sais même plus la référence. GHO18V-LI, qui est vachement bien mais que j'ai aucune utilité, donc qui va me permettre de financer une partie de mon bois pour mon futur lit, pour un futur épisode de La Grotte du Barbu. Et est-ce que c'est pas trop bien ça? C'est tout pour cet épisode. Un petit épisode, c'est un peu le bon coin version barbu, mais vous inquiétez pas, il y en aura plein d'autres qui suivront, qui seront un peu moins chiants et un peu moins bizarres que ceux-là. D'ici là, faites des trucs, inspirez-vous et que la barbitude soit avec vous.